ça la fait flipper, qu'elle sait pas trop comment elle veut gérer ça. Mais moi, je pars du principe que ça a toujours fonctionné, que mon cheveu, il est robuste et que ça va le faire direct. Donc je vais faire un moite-moite et puis c'est tout. Donc blanc, noir. Blanc, noir. Et après avoir pour... Ça m'a fait sur les côtés, par contre, les léopards. Ouais, le côté damier, gros, ça m'a fait penser direct, genre techno-bunker allemand. C'est genre la vitesse, quoi, un truc. Toi, tu préfères damier que léopard. Moi, je préférais genre 2-3 éléments de léopard, par contre. Ouais. Mais j'avais pas eu l'idée du damier, tu vois. Et ça me l'a presque donné. Mais on va voir. Je pense que je vais le faire en léopard. Business in the front, party in the back, tac. Et 1€ de gain. C'est vrai la coupe qu'il veut. Du coup, je pense repartir là-dessus, mais j'avais aussi cette photo que j'aimais bien, juste le démarrage à blanc. Ok, donc je commence à blanc. On fait la coupe. Ouais. Et là, du coup, on dit tiens, on a les cheveux qu'on poussait, on a de la masse, devant, dessus, derrière, partout. Viens, on fait couper et on fait juste un mulet. Et quand on est arrivé donc, en Dordogne l'année dernière, on a pris rendez-vous, on a fait couper juste le côté et on est parti, c'est parti de là. Puis quelques temps après, on a appris que le festival qui se passait donc en Belgique, il est délocalisé pour être repris par les Français et donc il se fait en Creuse, voilà, cette année. Et donc du coup, ben, on vient présenter notre mulet. Si on est bien avec soi-même, avec son corps et sa coupe de cheveux, c'est qu'on est bien avec plein d'autres choses. Je pense que ce sera vraiment le rassemblement de beaucoup de gens qui ont le même mindset, qui ne restent pas trop focus sur le regard des autres, voilà, qui continuent d'avancer, de mettre en place ce qu'ils aiment au quotidien. Celui qui a été élu l'année dernière, qui va passer son titre, lui, l'année passée, il revendiquait vraiment le fait que c'était son lifestyle complet et qu'il a beau savoir que c'est un côté beauf, tu vois, autour. Mais lui, c'est vraiment, il véhicule ça, il le veut, il l'apporte, quoi. Et ça, c'est cool. En gros, là, je vais commencer par les longueurs. Moi, je suis parti sur un bicolore, donc noir à droite et blanc, gris à gauche. Quelques petites taches de léopard intégrées juste sur les tempes, là, pour sensation un peu de vitesse. Donc du coup, ouais, un mulet 2.0, vraiment avec une coupe assez traditionnelle. Vraiment les côtés assez courts, un peu de tout sur le dessus, là, de la matière et très très long derrière. Alors vas-y, fais voir. Ouais, parfait. Yes. Là, ça fait 5h30. 5h30. Ah, c'est lourd. Alors, putain, mais ouais. Good job. Est-ce que dans le groupe, il y en a déjà qui en ont déjà fait un petit peu? Personne, c'est la première fois, non? Donc il y a un virage en bout, un deuxième au milieu, un troisième à gauche, 4 et 5, donc vous avez 5 virages. Et l'idée, c'est de démarrer avec le kneeboard pour faire un tour ou deux. Et si vous vous sentez à l'aise, après on passera sur les skis, voire même le wakeboard. Ça vous va? Okay. On est parti? Tiens, bouge pas, hop là. Je m'appelle Julien, merguez pour les intimes. J'ai 33 ans et ça fait 2 ans que je me laisse pousser les cheveux pour me faire un mulet. Hop là. Hop, pour vous les grands. Tac. Je reviens à Roufiac chaque été pour la saison où je m'occupe principalement du téléski, de l'accueil du téléski. Mais à la base, je suis graphiste en freelance. Nickel. Et ben c'est parfait. Et voilà, comme ils font, on les pose à plat quand on n'a plus envie de les tenir pour éviter que ça tombe sur les pieds. Allez, tiens, récupère. Montre-moi comment on fait un virage. Vas-y, montre-moi comment on va à droite. Yes, pas mal du tout ça. Vas-y, parfait. Reviens sans mettre les mains parce que si tu mets les mains dans l'eau, ça ne marchera pas. Regarde devant toi, on va partir juste après le wakeboard avec le casque bleu.
Je m'appelle Olivier Zilka, j'ai 34 ans. Je suis coach sportif et je travaille en saison en tant que moniteur de wakeboard. Et le reste de l'année, voilà, je fais du coaching en ligne, à distance, avec les clients. Bye bye. 3, 2, 1, go. Et le fait d'avoir ce mulet, bah, ça me fait sortir un petit peu du lot par rapport à plein d'autres. C'est que bah, moi, j'ai pas peur de... Voilà, je fais des compétitions de culturisme avant. Je me suis déjà présenté en slip devant des gens, des centaines de personnes, donc c'est pas un mulet qui va me faire peur. De MacGyver et de David Bowie. Cette tendance qui a ruiné les albums photos de plusieurs générations connaît un retour en grâce auprès des jeunes et certains coiffeurs interrogés y voient déjà le look 2021. En mai 2019, un festival belge avait tenté de relancer cette mode. Des concurrents survoltés pour décrocher le prix de la meilleure coupe mulet. Une seule règle, court sur le dessus et les côtés et long derrière. Et alors en fait, c'est quasi militant une coupe mulet. Aujourd'hui, porter le mulet, c'est affirmer sa liberté, évidemment. Par rapport à la société, c'est de se dire, moi je vais raisonner et je vais faire mon projet. Parce que c'est notre projet. Alors si vous êtes sceptique, le Daily Star rappelle que la coupe mulet existait dès l'Antiquité. C'était chaud, encore une première de couverture. Excellent. Poteau, putain. La deuxième pour le même délire. Saisonnier à la base nautique de Roufiac, Julien Redi et Olivier Zilka participeront samedi 4 septembre au championnat Europe de la Coupe Mulet, organisée dans la Creuse. Ils ont adopté la Coupe Mulet comme un style à part entière, avec tout le vestiaire et les accessoires assortis. Les deux saisonniers originaires de Mâcon souhaitaient se payer une belle tranche de rire. Alors ça, c'est fait, ça. Ah, yes, c'est validé. Pour moi, un bon mulet, ça s'arrête pas seulement à une belle coupe de cheveux, c'est aussi un personnage qui l'assume entièrement. Faut vivre mulet, faut être mulet. Yeah. Alors là, mon gars, oh yes, tu pars pour faire la bike life. Allez, je vais quand même, je vais tester ça obligé. Casquette, position vitesse ou position frein? Ouais, là, bien, un peu de vitesse, ouais, ouais. Nickel, ouais. Nickel. Et moi, du coup, je suis un peu ton manager, quoi. Excellent, ouais. Putain, nickel. C'est bling bling, hein. Bah, à la vitesse, c'est un concept. Dans la vie, il faut savoir s'adapter quand ça va vite. Donc, à tout moment, ça peut déraper, mais à tout moment, il faut être prêt pour tenir les rênes. Non, en vrai, je suis content, les couleurs rentrent bien, là. Tout va très vite dans la vie. La vie va vite. Bang, bang. Le mulet, ça va vite, on y est déjà. Yes, allô les gars, ça tire au fusil. On est prêts. Ça tient. Ça tire bien. Ça va. T'as mis ton casque? Ok, donc on va faire un peu de BTP là. Captain Merguez, le personnage. Et on dirait que ce casque il faudrait une lanière, tu sais. Le mot personnage revient souvent parce qu'effectivement la vie c'est des personnages. On est tous différents donc on est tous un peu le personnage de notre propre vie, mais mon acolyte.
Yes. Ah putain, un fou du volant. Un fou du volant. Je suis le chef de chantier de niveau bodybuilding de salle de musculation. Ça fait 10 ans qu'on rigole ensemble. Hein. Je pense que même les gens sont surpris de se dire « Ah, ils sont toujours en train de faire des âneries, ceux-là. » Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est peu, quoi. Enfin, on a trop de trucs à faire encore, donc c'est que le début. Oh, yes, on voit qu'ils s'entraînent. Hein. Yes, Yako. Quel personnage. T'es chaud? J'essaie de pas trop y penser. T'imagines quand même le délire, gros, c'est parti il y a 2 ans, tu vois. Ah, c'était long. Ça va être cool. Et puis on va faire ce qu'on a dit, on va y aller. Il faut que ça se passe. On va se présenter, on va monter sur scène. Les lumières vont s'éclairer. Pour un grand show de vitesse. Pour un à balle de vitesse. Moi, je pense que le jour où je couperai tout, mais vraiment, toute la longueur disparaîtra, je repartirai sur une coupe comme je t'avais déjà montré. Boule à Z ou quoi? Bah, rasé bien très très court. Ah, la boule à Z, putain, ouais. Moi, c'est... franchement, si je coupe, le jour où je coupe... Tu lances une boule à Z? Direct. Ah ouais? Ça, ça yes. Le putain, bah, faut filmer ce moment, alors. Yes. Ça va être chaud pour choper des meufs avec la boule à Z. Non, mais... Ça a déjà été chaud une fois de virer des meufs avec un mulet. Jamais. Non, mais c'est ça le pire. C'est ça le plus badant dans l'histoire. Parce qu'il y a autre chose. C'est, ouais, c'est grave. C'est pas la coupe qui compte. Et non. On est un petit peu comme des Kinder Surprise. En vrai, je me vois mal revenir ici sans la coupe mulet. Yes, c'est toi, mec! Bah ouais, carrément, ouais! Ça y est, félicitations à toi! Trop bien, ouais, carrément! Cool. Salut! Gauthier, il y a du niveau là? Ah bah ouais, carrément! On a opté chacun pour des trucs différents, moi de la couleur, tu vois, du punch un peu. Et puis. Mais chacun y va de son style, c'est ça qui est bon en fait. Donc, gagner après, ça sera le bonus, mais on y va surtout pour se marrer en fait. Et bien content de te rencontrer, tu vois. Ah, grave content, bien, le champion au titre actuel encore pour l'instant. Bah ouais. Qui va le détrôner, c'est la question, mais en tout cas, on va faire le jeu. Ouais, pareil. Ah, et alors ça, tu l'as vu à la télé, toi? Ouais, c'est possible. Ah, t'as vu en photo ça et tout. C'est cool. Bisous. C'est vous qui avez fait monter tout ça, toi. Ouais, c'est un câlin, j'ai bien les mecs balèzes. Et encore, vous avez pas tout vu. Salut. Vraiment content d'être là, les gars. Alors, je sais pas avec qui on s'inscrit, là. On va faire un à un, par contre. Donc, il me faut un prénom ou un pseudo. Vas-y, Captain Moustache. Okay. Si, vas-y, Captain Moustache, on sera attentif. Ensuite, talent caché. Muscle. Ouais, bodybuilding. Voilà. Bodybuilding. Bodybuilding, ouais. Bodybuilding. Ouais, c'est marrant, ça fait dualisme. Mon surnom, Merguez. Amateur de clubbing. Ah ouais, mais j'ai un petit. Clubbing, ça te parle, toi? Clubbing, ouais. C'est clubbing. Techno-allemande. Ouais, parfait, ouais. Techno-allemande. Trop tard, j'ai écrit clubbing. We'll be right back.
Bab, 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 bab. Ah. Ouf, ça va craquer. Là, normalement, pause. Là, et là. C'est juste une apparence. Ouais, là, je suis parti pour gagner, gros. C'est toi. Je suis en train de me transformer, là. On est chaud mais mouillé. Et on est chaud. On lâche rien jusqu'au bout, gros. Spectacle mouillé. Yes, elle gueule, le grand champion de cette année là. Yes. Ouais, il mérite, hein. Ouais, il est là, en même temps. Belle. Il a travaillé pour ça. Il ouais, pour moi, il représente vraiment ce que le mulet avait besoin en tant qu'ambassadeur, tu vois. Ouais, un mec qui a pas peur de faire 10 heures de route. Ouais, grave, et puis qui porte ça depuis 20 ans, comme il disait. Non, franchement, très content que ce soit lui qui remporte le titre de cette année là. Belle trogne, beau personnage. Yes. Donc, le festival du mulet plié. C'est quoi la suite ? C'est vite, tard. Je sais pas, gros. On verra. T'as des idées déjà ou ? Peut-être ben, ouais. Ouais ? Peut-être ben.